med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hverdag var en lørdag. Yo tout le monde, c'est YotoGamer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi personnellement, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier let's play. Et oui les amis, le let's play numéro 13 que vous avez toutes et tous attendu. Donc là, j'ai enfin fini tous les niveaux. Donc maintenant, il nous reste plus que le boss à faire. Et après, on sera bon pour commencer. Du coup, vraiment, j'espère que ça vous plaît toujours les let's play sur Splatoon 2. Franchement, mettez de la force en likant un maximum possible cette vidéo, parce que franchement, c'est pas tout le temps que j'arrive à finir un let's play. En tout cas, franchement, ça fait super plaisir. Du coup, la zone du boss, elle est vers là-bas à peu près. Bon, on voit pas trop mon doigt, mais il est vers un petit peu près vers là-bas. Donc je vous propose que je fasse une petite éclipse pour qu'on se retrouve là-bas, et puis à tout de suite. Donc les gens, donc là c'est bon, je suis arrivé à la cinquième et dernière bouilleur. Donc derrière X avec la Lavia Tank Amix. Donc c'est parti les amis, donc, dernier boss, hein, vraiment. Donc mettez un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment super plaisir pour le premier vraiment let's play qu'on arrive à terminer. Parce que franchement les autres j'ai toujours galéré à les terminer. Et là, j'arrive enfin à le terminer. Donc, bon, comme d'habitude, il y a toujours des abonnés qui se connectent. Hein. Donc, on finit bien sûr avec le lanceur héroïque. Donc, voilà. Donc, je pense pas que ce let's play numéro 13, donc le dernier let's play, donc la fin, se prendra plus de temps. Ah. What, c'est quoi ça? Je me tais parce que cinématique. J'hallucine. Ayo. What? What? C'est Ayo, les gars. Les gens, c'est Ayo. Désolé pour la qualité. Je t'avais dit de partir. Ayo, mais pourquoi? Je vous lis parce que, bon, on voit pas bien. Tu me laisses pas le choix. Je vais devoir te faire décamper par force. Envoie la sauce, DJ. Non. Non, dites-moi que c'est pas vrai. Et le truc, c'est un concert. Oh, putain de... Oh, punaise. Vraiment désolé pour la qualité, c'est les trop lumineuses. Wesh, il y a DJ et Ayo les gars. What? Le Viet Tank. Ah! Octave est dans la place. Grrr, Ayo, un cerveau d'huître, pas compliqué. Ah merde, j'ai pas mieux. Vas-y, c'est parti, fais cracher les amplis. Oh, mais il part trop vite, ça va barder. What the fuck? D'où Oli avec DJ, qui était aussi un boss du coup de Splatoon 1. Par contre je... Ah oui mais du coup c'est... Ah oui faut péter ça. Où il y a les gants. Enfin où il y a ces gants qui vont s'envoyer, faudra les péter. Bon, par contre les amis, ça demandait plus de concentration. Je vous laisse lire les messages. Oula, par contre vu que j'ai la caméra juste devant, je vais me mettre debout parce que là c'est pas vraiment évident. Oh punaise la vache. Ouah, en plus c'est vraiment un cancer les gars. Désolé les gens mais c'est vraiment un cancer. Un concert, j'arrive même plus à parler tellement je suis choquée. Je vais mourir. Oh my god, je meurs. Et dites-vous que les gens, c'est que le début. Hein. C'est que le début, ça va pas être du gâteau. Parce que c'est quand même le dernier niveau. Ok, là, je vais essayer de me concentrer. Ok, j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu le temps de toucher. On les attend. Oh yes. Ok, j'ai bossé un premier coup. Attendez, je me barre. Oh, c'est vraiment méga chaud. Du coup, je peux pas parler parce que là, vraiment, j'ai peur de faire une grosse erreur. Du coup, j'essaie de les éviter le plus possible. Parce que c'est pas vraiment du gâteau. Oh, punaise. C'est méga chaud. C'est le bordel total. Ok, un coup. Ok, l'autre poignet. Après, ce sera bon. Vas-y, viens, mec. Et je l'envoie. Et celui-là aussi. Et go. Allez, ça, ils ont pris ça. Attention où tu vas prendre. Oula, oula, oula. Ouais, par contre, là, DJ Ayu, il rigole pas du tout. Hein. Ça va botter des fesses. Oh punaise.
Oh non, je suis trop loin. Non, j'ai raté un coup qui pouvait être fatal. Dommage. Bon, de toute façon, il y a les autres points. Hop. Comment je peux viser, enfin rater ça, c'est une blague. Bon, je vous laisse vraiment les messages, un peu. Enfin les dialogues de Oli, parce que là c'est vraiment chaud. Avec tout ce qui me vient sur la tronche, c'est pas vraiment du tout évident. Ah, esquive. Oh punaise. Ah oui, bon, quand c'est en or, je peux rien faire en fait. Ok, vite. Oh non, mince. Je me suis fait toucher, du coup je perds de la rapidité, ce qui est vraiment embêtant. Mais j'arrête pas de rater mes coups. Mais frère. Putain, parce qu'en fait je suis dans une mauvaise position là. Juste pour rire que je suis pas bien assis. Donc attendez les gens, parce que là c'est vraiment chaud. Avec la caméra en plus qui a pas envie d'être bonne. Parce que là, vous voyez, on voit pas très bien. Voilà. Du coup, je reviens vite fait. Je vais juste chercher un truc pour bien m'asseoir. Parce que là, franchement, c'est méga chaud. Allez, du coup, à tout de suite les gens. Oh les gens, donc là c'est bon, j'ai trouvé une meilleure position pour être plus à l'aise. Du coup c'est parti. Sachant que là c'est vraiment la galère totale et ça va de plus en plus vite. Ok, là il faut qu'on les mette un autre coup de poing, après ce sera bon. Par contre il faudra que je fasse vraiment attention. Parce que là vous voyez, j'ai plus que deux vies, du coup en haut à gauche. Donc vraiment c'est pas le top. Je recouvre au maximum. Parce que sinon ça va me gêner pour plus tard. Hop, dans la tronche. Et aussi dans la tronche. Voilà, Octave, numéro 4 à l'attaque. Exact. Ouh, ok, il y a un truc bizarre ici. Ah, fallait l'envoyer, d'accord, ok. Ah. Ok, je pense que ça va être le coup final, je pense. Aïe, c'est moi, Oli, réveille-toi, bon sang. Dicté, Octave. Ah oui, j'ai dit Octave, c'est l'heure du final. Ok, dernier coup, les gars. C'est l'heure du final. Ok. Ah oui, j'ai dit Octave. Sur Splatoon 1, l'ancienne. Attendez, on recouvre un maximum. Parce que je sens... Ouh, shit. Je me suis pris de pleine poire. Vraiment. Je me suis pris dans la tronche. Ah, projectile en approche. Et je pète ces trucs chelous. Et il y a encore les gants qui me viennent dessus. C'est génial. What the fuck is this shit. Hop, je l'envoie ça. Et je l'envoie ça aussi. Ok, pour le moment, on gère bien. Même si... Encore un bombardement aux abris. Ouais, il faut que je me barre. Ok, attendez, on recouvre bien, comme d'hab. C'est vraiment le secret. Il faut que je me prenne tout dans la tronche. Ok, là, c'est vraiment pas le moment de mourir. Mais alors, vraiment pas. Ok, on va faire... Ah oui, quand c'est en or, je peux pas tirer dessus. Mais bon, j'ai le réflexe de tirer dessus. Ok, là, hop, j'esquive. Je passe de l'autre côté. Attendez, je recouvre par derrière parce que là, ils vont me jeter leurs gants. Vas-y. Hop, je l'envoie celui-là. Ok, un autre coup, je pense peut-être que ça devrait aller. Peut-être deux coups, je sais pas. À voir. Et je t'envoie celui-là et que j'ai raté, c'est génial. Faut que j'arrive à mettre les deux coups parce que sinon, ça va pas être possible, là. Ah, j'ai pas eu le temps, mince. Ok, j'ai pas eu le temps. Par contre, je galère un petit peu parce que là, la M, pas du tout au rendez-vous. Et il se prend celui-là. Tiens, bon, j'arrive bientôt. Ouais, vas-y, Aurélie. Parce que là, c'est méga chaud. Ok, hop, j'esquive. Esquive un petit peu spécial, mais j'esquive un petit peu. Ok, j'esquive encore cela. Parce que je peux... Ah si, on peut les colorer, bah voilà. Enfin, on peut les peindre, du coup. Ok, vite, ils vont venir vers moi. Ah non, c'était pas ça, ok. D'accord, je pensais qu'ils allaient venir vers moi avec l'encre, mais non. Ok, là c'est... Ouais, bah voilà. Là, ils viennent. J'ai du mal à gérer leurs attaques un petit peu. Franchement, là, les gens, c'est super chaud. Mais c'est tellement kiffant. Parce que ça me rappelle tellement le boss... DJ Octave dans le Splatoon 1. Tellement de bons souvenirs. Que j'ai fini le jeu il y a longtemps, pour ceux qui demandent. Ils venaient vers moi, tiens... Et hop, je te pète ça. Ok, je me tais, cinématique. Je suis là, tiens bon. Oli. Oh, ils sont venus. Oh, sniper en plus. Oli, au sniper. Aïe. Oh, non, les hypnos lunettes. Parfait, j'aurais pu mieux viser. Ah, en fait, elle était hypnotisée. Ah, ok.
Numéro 4, c'est le moment. Tant qu'Ayo est à la ramasse. Je te laisse réduire dictée octave au silence. Ok, pas de soucis, Oli. T'inquiète, on va faire tout le taf là. Parce que là, franchement. Ok, là, on a 3 vies à nouveau du coup. Non, j'ai pas eu le temps. Faut que je regarde bien la caméra parce que. Je ne fais pas ça. Oula, 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 non, non, non. Oh non, je pensais que je pouvais l'arrêter, mais pas du tout. J'aurais pas dû faire la kéké. Au contraire. Alors, vas-y, venez. Vas-y, tu vas faire... Ok, balance ça. Putain, problème, il y a trop de trucs, donc c'est galère, en fait. Attendez, il faut que je regarde bien. Bon, attends, vas-y. Là, il peut balancer. Ok, non, là, il met ça. Bon, c'est quand il met ses attaques, parce que là, c'est quand il y a des trucs, des bombes bizarres. Donc, t'as rien qui vient. Du coup, c'est méga chaud. Ok, là, ils vont me balancer tout. Ah, c'est super chaud, là, par contre. Hein. Ça se complique. J'ai pu mettre qu'un coup. Désolé si je parle pas beaucoup, les amis. C'est juste que là, vraiment, avec tout ce qui est en train de se passer, vraiment, il faut que je me concentre un maximum. Je le balance ça, hop, un autre coup de poing. Par contre, il faudrait que j'essaie de caler les deux, mais ça va pas être simple. Hein. Oh, presque, j'aurais pu tellement mettre le deuxième, j'ai le seum. Oh, j'ai vraiment le seum, là. On dévite vite, on part, on part, on part. Ok, un coup de coup de poing. Ouïe, la vache. J'ai eu méga chaud. Ok, là, c'est la bonne, vas-y. Merde. Vas-y. Hop. Mais il veut pas balancer ses deux coups de poing en fait. J'avoue que je merde au début, mais quand même. Bon, je vais essayer, mais non. J'aurais pas dû. Ok, je me régène un petit peu de la vie. Putain, je galère. Hein. Vraiment, je galère de fou. C'est un truc de malade. Mais c'est tellement kiffant avec la chanson. Enfin, le son au fond. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi, personnellement, je kiffe. Et dites-moi aussi si vous avez kiffé tout le let's play ou pas. Vraiment, vos avis, ça m'intéresse énormément. Oula, non, pas ça, pas ça. Ok, boum. Ok, deux fois. Ok, Oli, elle est en train un petit peu de se réveiller. Mais elle est un petit peu à la ramasse. Voilà, un petit peu secouée, du coup. Ok, là, je sais pas quand il y aura le final, mais en tout cas, pour le moment, là, on arrive à plutôt bien se débrouiller. On arrive à bien survivre à DJ Octave. Là, pour le moment, ça va. Ok, on esquive. Hop, on recule, on recouvre un maximum possible. Hop, ça dans la tour. C'est Octave. Ok, ok, go, go, go. Et boum! Est-ce que c'est le final ou pas? Ma tête, ma tête. Je voulais à la place. C'est maintenant ou jamais. Parce que là, on voit pas bien. Ayo, souviens-toi. Cette mélodie. Oh non, ils ont osé. Les seuls et uniques. Oh non. Mais à rien faire ici, moi. Yeah. Oli est de retour. Enfin, Ayo est de retour. Putain, j'arrête pas de les confondre, c'est abusé. Allez, je vous laisse écouter ce chef-d'œuvre. Pour les vrais, ceux qui se rappellent. Génial, les Calamazones sont de retour. Et ouais, je vous laisse écouter. Ok, là on a le bazooka. Ok, c'est parti. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'OST donc des Calamazones dans Splatoon 1 à l'ancienne. Pour ceux qui se rappellent, hein, du coup. Point de contrôle final, là c'est parti avec le bazookarp, je sais pas il est où du tout. File lui le train, ok. Ok, go, je monte. Ok, c'est parti. Je peux le tirer d'ici ou pas? Oups, désolé, en fait parce qu'il faut que je saute et j'ai pas le réflexe du tout. Oh, punaise. Parce que des fois j'oublie de sauter. Heureusement, on l'a esquivé de justesse. Mais par contre, celui-là, je l'ai raté, du coup. Enfin, ça va être compliqué, cette histoire.
Putain, j'arrive pas en fait. J'ai du mal avec le bazooka en fait. C'est méga chaud au bazooka. Ok, là j'ai réussi le premier coup. Punaise. Ok, c'est bon, j'arrive plutôt bien à gérer les jumps. Non, bon, en fait je dis ça, mais au final je rate tout. Non, mais je rate. Mais en fait, j'ai du mal à jumper en fait. C'est ça le problème. J'ai trop du mal. Attendez, je me concentre. Je parle plus du coup. Hein. Je me concentre. Parce qu'il faut tourner la caméra, c'est comment vous dire que c'est pas facile du tout. Ah non, fallait que je. Mais oh punaise, j'arrive pas, putain. Pour des concentrations. Mais ouais, je. Attendez les gars, parce qu'en fait c'est super chaud. Attendez, je me concentre. Parce que punaise, c'est pas facile. Hein. Putain, c'est pas évident avec le bazooka, c'est abusé. Ah oui, là je pouvais faire quelque chose. Mais je. C'est ça que je fais, frère. Je saute, mais ça fait rien. Okay. Là je galère, c'est grave. Je suis grave concentré les gars, parce que là, honnêtement, j'ai pas envie de mourir. À chaque fois, j'oublie de sauter en fait. Ok, je me reconcentre à nouveau. Non, j'ai sauté trop tôt, et merde. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Eh les gars, on va galérer pour celui-là. On va vraiment galérer. Hein. Parce que là, franchement... Et du coup, je dois tout me retaper. Mais la blague. Mais non, bon, attendez. On se retrouve quand je vais... je serai revenu au niveau de la fin. Parce que là, franchement, ça va être méga chiant à finir ce fucking boss. Donc, on se retrouve du coup à tout de suite. Ok, re les gens, donc là je vais plus du tout parler parce que là franchement ça demande grave de concentration. Du coup, go. Oh. Ah ok, go, ok, on arrive bientôt, ok, c'est parti. Les gens, je pensais vraiment pas que j'allais réussir, mais finalement, si. Et cool team. Et c'est terminé. Oh les gars, je vous jure, j'ai stressé de fou pour réussir. Ah, il écrit à l'envers.
Oula, bon bah regardez à l'envers tout simplement. Bon, moi je regardais sur le montage. Parce que là, c'est un peu compliqué. Ok, on a battu les gens, le boss final. Je vous jure, j'ai vraiment galéré à le finir, franchement. Parce qu'en fait, ça demande grave de concentration. Jusqu'à les gens, je devais plus parler du tout pour réussir, vous rendez compte? Bon, je sais que c'était peut-être pas trop animé, mais j'étais obligée pour réussir. Et voilà, on a fini. Et du coup, je me retrouve avec maintenant le poisson charge. Parce que au début du jeu, il a disparu. Maintenant, nous avons à nouveau le poisson charge. Donc, c'est ça qu'ils vont dire. Du coup, Marie et... j'ai oublié comment elle s'appelle. Ah non, pas Marie. Perle et Coralie, plutôt. Parce que je suis habituée à dire Ayo et Oli. Donc, coucou les Calastars. Prêt pour la chronique de Chromapolis. Ici, les Tentacools. En direct live du square de la ville. Bon, si... Ok, attends. S'il part de la ville... Ok, il part de... Ah, voilà. Et une seconde. Par mes ventouses, il se passe quelque chose. Ne me dis pas que... On dirait... Que le grand poisson charge est de retour parmi nous. Eh ben, tu parles d'un soulagement? Ouh, on est en train de vivre un truc de fou. Une photo, vite! Ah oui, prenez les photos, prenez tout, là. Parce que là, vraiment, punaise, c'était méga chaud. Vraiment. Marrant, il était différent dans mes souvenirs. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer, Perle? Bref, on enchaîne. Voici les stages actuels pour les matchs clas. Ouah, plein mot, Coralie, un autre flash spécial vient de tomber. What? Ah, mais j'ai rien dit, moi. On vient de retrouver Ayo, je répète, on vient de retrouver Ayo. Ayo est de retour, ouah. En voilà une vraie nouvelle. Désolé si j'ai bugué. Une bonne surtout, sans rival, c'est trop facile d'être les meilleurs. C'est vrai que sans Ayo, pas de Calamazon. Et Coralie, et si t'as envoyé le morceau suivant? Ça roule, Perle. J'ai justement le titre idéal sous la main. Bon, j'espère que je vais pas me faire copyright, lol. En fait, il s'agit d'une requête d'un de nos fidèles spectateurs. Voici le nouveau single des Calamazon, Fresh Start. Désolé pour l'accent pourri. Du coup, je vous laisse. Du coup, re les gens, donc on se retrouve après le crédit. Donc, bon, vous savez, à chaque fois que vous finissez un jeu sur Splatoon, vous avez un crédit. De toute façon, vous pourrez voir du coup sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai un lien pour le crédit spécialement pour ceux qui veulent écouter. Parce que je ne sais jamais si je peux me faire copyright. Du coup, j'ai obtenu donc les tenues héroïques. Donc, suite héroïque, casque audio héroïque et bottes héroïques. J'ai obtenu la panoplie héroïque relique. Enfin, réplique, pardon. Essaye-la en match multijoueur. Tu peux utiliser pour améliorer tes armes à l'optimatron situé dans la zone 1. Ok, Sardinium. Ok, ça c'est pour Omar. Et après, non, les gars, je suis tellement, mais alors tellement contente d'avoir fini le jeu. Franchement, c'est un let's play que je pensais même pas peut-être finir parce que bon, vous me connaissez. Les let's play, pour les terminer, c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, sur Splatoon 2, je voulais vraiment m'impliquer pour faire un vrai let's play. Du coup, franchement, ça fait tellement, mais alors tellement plaisir. Bah, je pense qu'on va même s'arrêter là parce que j'ai même plus besoin de jouer en vrai. Hein. Ben, j'ai même plus besoin de continuer parce que là, franchement, que dire, que dire. Bon, j'avoue, au début, j'ai galéré avec Didier Octave, mais sans parler, j'ai quand même réussi. Donc franchement, dites-moi si vraiment ce let's play de Splatoon 2, le dernier let's play, vous a plu. N'hésitez pas vraiment à bombarder les pouces bleus. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je continue d'autres let's play sur d'autres jeux, parce que franchement, je peux en faire, vu que c'est le confinement pour le moment. Donc je peux en faire. Vraiment, j'ai le temps, donc je peux en faire des vidéos à nouveau. Bon, sauf qu'il y aura des moments où j'aurai la flemme, mais c'est pas impossible. Du coup, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, franchement, pour dire vraiment, pour que je vois si ça vous a plu, ce genre de let's play. Désolé si j'ai bougé la caméra. N'hésitez pas à partager à votre famille, à vos amis. Et aussi à, bien sûr, vous abonner, l'essentiel. Parce que là, bientôt, j'ai les 710 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça fait super plaisir. Et là aussi, la vidéo où je réponds à vos questions FAQ seront bientôt là. Du coup... On se retrouve pour une prochaine vidéo ou live et les abonnés qui se connectent en plus. Et puis, ciao tout le monde !